100 tonnes de bois frauduleux saisies à Gagnoa dans l'est du pays. Les agents des eaux et forêts multiplient les interventions pour freiner ce fléau. Les commerçants de chaussures importées de la Chine se frottent les mains dans la commune d'Adjamé, ce qui ne fait pas l'affaire des commerçants de chaussures importées d'autres pays. Et puis les tests ADN, un véritable business en plein boom aux États-Unis. Bonjour à tous et merci de suivre ce journal. Le bois ivoirien vendu à l'extérieur du pays, 100 tonnes exactement de bois frauduleux ont été saisies par les agents des eaux et forêts de Gagnoa, une opération rendue possible grâce à la population de la cité du fromager. Ces bois frauduleux étaient destinés au marché des pays de la sous-région et les agents des eaux et forêts multiplient les efforts pour freiner ce commerce illicite. Le reportage de Herman Nyamian. C'est sur exploitation d'une plainte formulée par un concessionnaire de périmètre dont la parcelle a été victime de ce prélèvement frauduleux de bois que les fins limiers de la direction régionale des eaux et forêts de Gagnoa ont pu opérer. Il s'agit au total d'un premier chargement de plus de 40 tonnes de bois issus du sillage clandestin qui ont ainsi été saisis dans le village de Yakoko situé dans le département d'Oumé. Le bois saisi est essentiellement constitué de planches de samba et d'ako. Les bois dont une partie avait déjà été chargée dans un camion de 30 tonnes était destiné à l'approvisionnement des marchés de la sous-région. Je m'en vais au Burkina avec ce bois-là. Moi, je suis un envoyé. On m'a dit de venir charger. Je ne sais pas s'ils ont papier, s'ils n'ont pas papier. Le second stock saisi toujours par la direction régionale des eaux et forêts de Gagnoa se situe dans la périphérie de Fresco. Ce sont plus de 60 tonnes de bois rouge d'essence Badi. Toute la saisie est estimée à environ 80 millions de francs CFA. Ce réseau des trafiquants de bois opère dans les périmètres attribués légalement par le ministère des eaux et forêts à des sociétés ou à des opérateurs de la filière. Nous sommes engagés à mener une action vigoureuse pour mettre fin à ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Depuis le lancement de la campagne de lutte contre le sillage clandestin, les agents de l'administration forestière multiplient les interventions pour traquer les sillages clandestins. L'activité de ceux-ci cause à l'État des pertes financières estimées à plus de 21 millions de francs CFA par an. Ce commerce illicite de bois frauduleux favorise aussi la déforestation. Et pourtant, la forêt contribue à la préservation de la couche d'ozone. Pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, le ministère de la Salubrité urbaine et de l'Environnement du Développement durable a initié un atelier en vue de valider les propositions pour la préparation de la stratégie nationale. Konate Moussa, Grasse Kando. Estimé à environ 16 millions d'hectares dans les années 1960, la Côte d'Ivoire a perdu 95% de son patrimoine forestier. Une situation inquiétante qui a amené le pays à adhérer en 2010 au projet RED+, réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Pour la mise en œuvre de ce projet en Côte d'Ivoire, un atelier est initié en vue de procéder à la validation et à l'endossement du document de préparation. La RED+, c'est un mécanisme innovant qui est issu des négociations internationales sur les changements climatiques. Et ce mécanisme-là va aider les pays forestiers à conserver leurs forêts. La validation de ce document donne accès à la Côte d'Ivoire à deux importants fonds, celui de l'ONURED, je suis avec le coordonnateur ONURED, et également au fonds de la Banque mondiale. Un atelier qui sera l'occasion de mener des réflexions sur les changements climatiques. Le ministre Alain Kouadio Rémy situe les enjeux. La RED+ est en fait le fruit de l'étroite et franche collaboration entre le gouvernement ivoirien et ses partenaires au développement, mais également aussi la société civile pour produire un document aussi important et qui soit en cohérence avec les autres stratégies politiques du pays, notamment le PND, dont il contribuera à atteindre certains objectifs. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès dans la lutte contre le changement climatique. Plus de 12 millions de dollars ont été investis. Des chaussures importées de la Chine, prisées par plusieurs consommateurs qui n'ont rien à reprocher à la qualité de ces marchandises. Ce n'est cependant pas l'avis de tous. Ces chaussures ne seraient pas de bonne qualité selon certains. Une chose est sûre, les commerçants de chaussures des autres pays voient leur commerce prendre du plomb dans l'aile. Ces derniers dénoncent la concurrence déloyale et voient leurs gains en diminuer comme peau de chagrin. Adjamé, marché Chine, non loin de la mairie. Cette chaussure, à peine achetée, est déjà en train d'être cousue. Un fait récurrent ici.
Et pour cause, ces chaussures, le plus souvent d'origine chinoise, sont jugées pas de bonne qualité par certaines clientes. Les chaussures chinoises ne sont pas de bonne qualité. C'est vrai que c'est à moindre coût, mais ce n'est pas de qualité. Je préfère acheter les chaussures de bonne qualité, que ce soit importé ou bien fait ici. Les chaussures qu'on appelle chaussures chinoises ou bien Shintok, ce n'est pas durable. Tu payes ces deux jours. C'est pour cela que je préfère les bonnes chaussures, la qualité. Ces chaussures peu coûteuses en réalité sont en revanche bien appréciées par d'autres femmes. Ces dernières les trouvent assez résistantes, suffit de bien les entretenir. Moi je paye, c'est le bon cas, ça dure dans ma main. En tout cas, si tu payes, tu peux pas poser ça à chaque fois, quoi. Tu peux changer. À chaque fois, je viens payer. Si il y a un nouveau modèle, je viens payer, je porte. Ça fait que ça dure, quoi, parce que moi, je porte partout au travail. Il y a aussi les revendeuses qui viennent de plusieurs communes d'Abidjan, mais aussi de villes de l'intérieur du pays pour se ravitailler sur ce marché. Les prix ici sont abordables et les marchandises, une fois achetées, sont vendues sur des étals dans les différents quartiers. Là, je suis dans sa marche, mais souvent, il y a d'autres qui ne durent pas des... Il y a d'autres qui durent. Les clients qui quittent en brousse pour venir acheter ici. Et puis il y a les gens, il y a d'autres qui sont ici et payent ça aussi. Bon, je viens de Boaké pour me ravitailler en chaussures. Ces chaussures chinoises marchent bien. Les clients apprécient beaucoup parce qu'ils n'ont pas assez d'argent et qu'ils sont moins chers. Des revendeuses qui font la pluie et le beau temps au moment où les commerçants installés sur place broient du noir. Ils sont nombreux sur le site, ces vendeurs de chaussures de marque et d'origine, victimes indirectes de l'invasion des chaussures venues d'Asie. Aujourd'hui, le marché est partagé avec d'autres revendeurs également, qui ont des prix un peu plus compétitifs que nous, quoi. Mais ce que nous disons à nos clientes, c'est que nos chaussures sont de meilleure qualité. Avec une chaussure qu'on achète à 2000 et celle qu'on achète à 5000, forcément, par rapport à la durabilité des chaussures, ça ne sera pas pareil. Depuis que les Chinois sont arrivés au marché, notre chiffre d'affaires est vraiment trop diminué. Parce qu'avant, une famille, elle a 5 enfants, elle peut payer 5 paires chez moi. Mais maintenant, elle paye une seule paire et puis elle paye 4 chaussures chinois. Vraiment, on souffre maintenant. Le marché Chine, encore de beaux jours à vivre vu la pauvreté grandissante. Reste à mieux organiser le secteur pour le bonheur des populations. En 33 ans que Bob Marley a tiré sa révérence, l'artiste a inspiré plusieurs générations à travers la musique reggae, un genre musical qui continue d'ailleurs de plaire et faire danser de nombreux mélomanes. Les amoureux du reggae se sont retrouvés dans plusieurs espaces pour rendre hommage à Bob Marley. Vivons ensemble à l'ambiance avec Michel Mambo. Trois ans après sa mort, Robert Nestor Marley vit encore dans l'esprit de ses fans. Ce 11 mai, comme il est de coutume, les disciples de Jah sont au rendez-vous. Les différents espaces reggae du district d'Abidjan sont pris d'assaut. Chacun, à sa façon, veut rendre hommage à son idole. La fête dure toute la nuit. Une belle veillée en l'honneur de l'apôtre de paix, de tolérance et de justice. Son message traverse les générations. Ici, à Yopougon, même les têtes couronnées sont de la partie. Robert Nestor Marley, icône du reggae, né en 1945 en Jamaïque, a tiré sa révérence en 1981. L'artiste avait alors 36 ans. Avec plus de 20 millions de disques vendus à travers le monde, le pape du reggae aura inspiré plusieurs générations. Animer la vie liturgique de l'église, le rôle de la chorale, la cité de grâce de l'église méthodiste d'Anoumambo, qui se veut la vitrine de l'église. Les membres de cette église viennent d'ailleurs de lui offrir une centaine d'aubes. On en parle avec Michel Mambo. Chanter, c'est prier deux fois. La chorale joue donc un rôle capital dans l'église. Elle a pour vocation d'animer le culte, accompagner le peuple de Dieu dans la prière.
Au premier rang dans l'assemblée, son apparence doit être soignée. Aussi, les aubes que viennent de recevoir les choristes de la Cité de Grâce de l'Église méthodiste unie d'Anoumabo viennent-elles à point nommé. Cette initiative, elle est belle parce que offrir des aubes, ce n'est pas aisé. C'est des millions et le donateur a dans sa poche des millions pour nous offrir ses aubes. Nous rendons grâce à Dieu. Vraiment, c'est une grande joie qui nous anime. Puisse Dieu le bénir davantage et qu'il ne manque jamais rien dans sa maison. Vraiment, c'est une grande joie. On va l'utiliser à bon escient. On va l'utiliser toutes les fois que on aura les grandes occasions. Mariage, Pentecôte, la fête de Pâques, Noël. Et toutes les grandes cérémonies de l'Église, on va les utiliser. Des tenues sacerdotales de couleur bleu royal qui serviront pour les grandes manifestations. Le don est du chef du village d'Anoumabo. Acadien Nicodème entend ainsi soutenir les choristes dans leur ministère. Nous sommes chrétiens, Dieu fait beaucoup de choses pour nous et c'est pour le magnifier que nous avons bien voulu offrir ces aubes de cœur à la chorale Cité de Grâce d'Anoumabo pour qu'ils en fassent bon usage, pour que le nom de Dieu soit régulièrement élevé. La chorale Cité de Grâce est la chorale phare de l'Église méthodiste unie d'Anoumabo. Âgée de plus de 20 ans, elle compte une centaine de membres. À l'étranger, au Nigeria, le chef de Boko Haram a diffusé aujourd'hui même une nouvelle vidéo montrant une centaine de jeunes femmes présentées comme les lycéennes enlevées mi-avril dans le nord-est du pays. Ils affirment les avoir converties à l'islam et exigent la libération de prisonniers du groupe islamiste en échange de celles des jeunes filles. Au total, 276 lycéennes avaient été enlevées le 14 avril dans l'est de Borno, au nord-est du Nigeria, qui abrite une forte communauté chrétienne. Et puis la quête des origines peut aller loin, très loin, même après l'intérêt pour leur arbre généalogique. Les Américains se passionnent pour les tests ADN, des tests effectués par des laboratoires scientifiques qui permettent de découvrir leur histoire génétique. Un seul prélèvement de salive suffit pour apprendre le détail de son ascendance ou presque. Des tests ADN, un business en plein boom dans le pays de l'oncle Sam. Au cœur de Manhattan, Glenn a rendez-vous avec son professeur. Ce jeune noir américain apprend la langue des Bamoun, une ethnie d'Afrique centrale dont il connaissait bien depuis quelques mois. C'est un test ADN qui lui a révélé ses liens avec le Cameroun. Cette découverte a bouleversé sa vie. Il prépare son premier voyage vers le continent noir. Ce que je suis en train de faire, mes parents n'auraient jamais pu le faire. Et pour beaucoup d'Afro-Américains, c'est à peine imaginable. Retisser un lien avec mes racines à travers Abdoulaye qui vient de mon ethnie, je crois bien que ça amuserait mes ancêtres. Les tests ADN, un business en plein boom aux États-Unis. Qu'est-ce que vous faites là? Just taking his DNA samples from his mouth. Un prélèvement de salive, $450, et six semaines plus tard, le voile se lève sur une filiation inconnue, un vide hérité de l'esclavage. Dans son laboratoire à Brooklyn, Abraham met en garde contre les marchands de rêves. Le test ADN a ses limites. On ne peut pas dire exactement quel village ou quel pays, mais ça sera Central, Afrique du Sud, sera Afrique du Nord. Ça ne va rien changer à leur histoire, ça ne va rien changer à leur situation ici. Mais ils veulent savoir d'où est-ce qu'ils viennent, parce que chacun a une histoire. Il y a 2 ans, la série Finding Your Roots sur PBS a réuni 25 millions de téléspectateurs. Un énorme succès. Elle met en scène des personnalités en vue, comme l'ex-secrétaire d'État Condoleezza Rice, qui découvre en direct le résultat de son test. I'm stunned. Je suis surprise. It says 51% African, 40% European and 9% Asian. Pour cette journaliste de The Route, un site d'info sur Internet destiné à la communauté noire, ce succès n'est pas une surprise. People can now say my family is from ma West Africa. Est originaire d'Afrique. You know, my family is from Cameroon. And I think that's what's important is that people now have the same sense of identity that other Americans have. Sur 44 millions de Noirs américains, 90% sont issus de l'esclavage. Autant d'interrogations autour de ce lien rompu avec une Afrique qu'ils connaissent mal, mais qui coule encore un peu dans leurs veines.
Et puis des milliers d'Ukrainiens de l'Est se sont pressés hier dans les bureaux de vote pour un référendum séparatiste qui pourrait déboucher sur une nouvelle partition de l'Ukraine déjà privée depuis mars de la Crimée. Les insurgés armés pro-russes ont revendiqué une très forte participation et se disent certains d'obtenir un soutien massif. La région de Donetsk a voté oui à près de 90% selon le chef de la commission électorale. Et Kiev avait qualifié la consultation de farce criminelle financée par la Russie. Les Ukrainiens de l'Est ont commencé à se rendre aux urnes afin de décider du sort de leur région. Un référendum d'autodétermination illégal pour Kiev, mais qui pourrait bien aboutir à un partage du territoire. Je vote pour l'indépendance, que cela vous plaise ou non. Nous ne devrions pas nous séparer. Nous sommes en même pays depuis plus de 20 ans. Des élections qui se produisent alors même que les combats entre les soldats de Kiev et les pro-russes ont repris à Slaviansk depuis vendredi. Les résultats du référendum devraient être connus dans 3 jours. Et puis sachez que l'Union européenne élargit ses sanctions à 13 personnes et 2 entreprises en l'absence de désescalade en Ukraine. L'Union européenne reste dans la phase 2 des sanctions, celle des mesures ciblées consistant en des interdictions de visa et des gels d'avoir. Par ailleurs, Moscou ne voit pas l'utilité de nouveaux pourparlers internationaux sur l'Ukraine et considère qu'une sortie de crise n'est possible que par le dialogue entre Kiev et les représentants de l'Est du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.